Mesdames, Messieurs, bonjour pour votre journée de demain. Celle-ci s'annonce plutôt agréable sur l'ensemble du territoire avec de belles éclaircies sur la majeure partie du pays. Quelques régions pourraient se retrouver sous de fines ondées ou encore une couverture nuageuse. Regardez avec moi l'animation satellite. Toujours cette cellule anticyclonique centrée sur la France depuis quelques jours qui repousse temporairement le centre de basse pression. Le soleil est donc au rendez-vous. Attention à la grisaille matinale ou encore au brouillard, mais qui se dissiperont dans la matinée pour laisser rapidement place à de belles éclaircies. Les nuages reviennent, eux, par le nord-ouest dans la journée de vendredi suite à une nouvelle perturbation. Regardez avec moi votre matinée. La Bretagne ou encore les pieds des Pyrénées, mais également l'île de Beauté, seront sous un soleil très généreux. Partout ailleurs, de très belles éclaircies, hormis la Normandie ou encore le Grand Est, qui se verront sous une masse nuageuse importante. Les températures au petit matin seront comprises entre 0 et 12 degrés, une minimale de 0 pour Besançon, 2 pour Colmar, 5 pour Nancy ou encore 7 pour la capitale, 5 pour l'extrême sud-ouest, et 12 degrés attendus dans l'extrême sud-est. Pour votre après-midi, regardez, même type de temps avec toujours une majorité d'éclaircies sur l'ensemble de l'Hexagone. Seul le Grand Est restera sous une masse nuageuse importante qui impactera le ciel. Les températures seront comprises entre 8 et 16 degrés. Regardez dans l'après-midi avec 13 degrés à Caen ou encore 11 degrés pour Rouen, 10 pour Amiens par exemple. Nous aurons 12 degrés pour Poitiers ou encore pour Nantes et 16 degrés attendus en maximale pour Montpellier ou encore pour Bastia. Pour la tendance de ces prochains jours, regardez dès samedi les éclaircies et un temps sec au rendez-vous et clément sur tout le pays, hormis sur le centre samedi ou même encore sur le Grand Est dimanche où une couverture nuageuse sera à prévoir. À la suite de la tendance dès lundi, le temps sera lumineux sur l'ensemble des régions, excepté pour les Hauts-de-France, mais uniquement dans la journée de mardi. La suite dès mercredi, la perturbation gagne du terrain et c'est toute la moitié nord qui sera sous les nuages et sous les pluies, hélas, mercredi et tout le nord-est. Jeudi, attention au vent qui pourrait souffler sur les côtes de la Manche entre 60 et 70 km à l'heure. Nous souhaitons une excellente fête à toutes les Elisabeth. Le soleil se lève à 8h03 pour se coucher à 17h10. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux bulletins météo. Au revoir et à bientôt.